Salut c'est Barof, bienvenue pour un nouvel épisode bonus de Resident Evil 4. Donc là il va s'agir du bonus de l'épisode 6 si je dis pas de bêtises. Comme j'ai bossé, hein, j'ai pas joué pendant quelques temps là. Donc je me rappelle plus. Enfin bon voilà, peu importe si je me trompe, comme d'habitude je rectifierai avec un petit sous-titre, un truc comme ça. Dans la vidéo, voilà, en incrustation. Alors, on va torcher ça vite fait, hein, parce que déjà le précédent épisode, il a été assez rapide. Donc, je rappelle qu'il faut, hop, pouvoir passer ici, mais on peut pas, il nous manque l'objet. Alors, on va devoir trouver celui à qui appartient l'œil pour pouvoir ouvrir cette porte. Alors, pour cela, il va falloir d'abord qu'on emprunte le téléphérique, mais avant tout, on va se débarrasser d'un ou deux sticks là qui sont là et qui vont me gêner. Alors là ce coup-ci on va se faire plaise. Hop, le lance-roquette. Par contre je vais essayer de viser correctement pour pas louper les mecs parce que... Voilà, formidable. Ensuite il y en a un peu plus loin je crois. Lui il est là, lui. Là c'est un peu plus délicat. Parce que ça bouge quand même, hein, mine de rien. Je rectifie mais ça bouge beaucoup. Alors, je crois qu'on l'a eu, normalement, ouais. Alors, j'essaye de viser les mecs, hein, particulièrement plutôt que les structures, parce qu'on n'est jamais sûr que ça va passer, que ça va pas passer à travers la structure, justement. Il est là, le problème. Alors là, on va pas se kikiner la vie, on va prendre le striker, et on va les tirer de loin. Hein. Allez, hop. Où est-ce qu'ils sont, les gars? Les premiers sont par là. Voilà, j'ai loupé déjà lui. Voilà, suivant par là. Ah, il se fait pas les trois en même temps. Je suis déçu. Je pensais qu'il serait un peu plus. Voilà, je pensais qu'il serait un peu plus balèze que ça. Le. Ah tiens, hop, il en reste encore là. Voilà, parfait. C'est tout, ouais. Là. Ah, quand même. Très bien. Voilà. Ah bah j'ai le carreau de la cabine de commande là-bas. Ok, par contre, quasiment plus de munitions. Enfin, 67, ça va encore. Attendez, je viens de percuter 67 munitions en charge. Ah ouais, d'accord, donc au maxi, à son maxi, il peut quand même avoir 100 cartouches en charge, ça va. C'est pas mal. Donc, on va faire un petit saut là-dedans. Je crois qu'on a un ou deux items à récupérer, là. Là, non. Oh, bah, des mines de pistolet, d'accord. Je prends quand même. Allez. Ensuite, on continue notre petite route. On descend aussi, on va jusqu'à la grotte. Ashley, tu vas nous attendre. Je tenterai bien un truc. Non, bah on prend au couteau. C'est complètement débile. Celle-là, tiens, hop. Je vais voir si j'ai le temps. Hop. Voilà. Je vais pas avoir le temps. Oh la vache. J'ai mal joué. J'ai mal joué. C'est pas grave. Allez. On va reprendre le. Tiens, celui-là. Ok. Reste là parce que là-haut il y a un petit loustique qui nous attend. Voilà. Alors, t'es pas mort, non. Ah merde, donc on descend. Alors lui celui-là c'est pas tout le temps. Hein. Il se transforme pas tout le temps, c'est. Je sais pas quelle est la condition pour ça. Finisher, voilà. Et on rappelle Ashley. On va pas examiner parce que ça amène rien. Et puis bon, comme d'habitude, vous voulez avoir le détail de l'aventure, vous allez voir l'épisode normal. Alors, on saute, on rattrape la miss. Voilà.
Ensuite, voilà, on passe par-dessus. Et là, on va continuer à descendre. Lui, je ne sais plus si j'ai des... Bah si, du coup j'aurai des choses à lui vendre, c'est la TMP. Je vous reprends juste après, hein. Ça va me tambouiller. Voilà, allez on continue. On va aller chercher un œil. Et avant ça, je crois qu'on a quelques mecs à se faire. Ah oui, puis on a le camion. On a le camion qui va arriver sur nous. Ah non, pas, non c'est pas là, je dis n'importe quoi. Alors, avant d'affronter le boss, voilà, hop. Alors là, j'ai un QTE, j'espère pas me courir. Voilà, normalement c'est bon. Parfait, hop, et là on se le fait tout de suite. Bon, pas mort. Non, pas mort. Une deuxième, d'accord. Oh là là, qu'est-ce que je me suis mis. C'était complètement débile ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, allez. Donc maintenant on va faire le tour de la pièce, récupérer tout ce qui traîne. On a récupéré l'œil. Voilà. Un peu d'argent. En plus j'y suis pas allé de ma mort, donc ça brûle partout. Ici, des mûnes qu'on pourra revendre aux marchands. Je crois que dans l'ensemble ici on a dû faire à peu près le tour. Ah non. Tiens, là, ok, parfait, spinel. Ok. Oh, j'ai oublié un truc là. Ah bon, voilà. Herbe verte. Tac, on monte. Il doit y avoir une herbe jaune qui traîne quelque part. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Ok. Non, donc de l'autre côté peut-être. Elle est là, voilà. Parfait. Oh attendez, il y a encore quelque chose là-bas. Très bien, bah, je crois que c'est bon, là, on a fini avec cette zone. Allez, on descend. Hop. Et maintenant on sort, et pour sortir, c'est ici, je crois. Voilà. Tout est ok. Allez, on continue, on a récupéré l'œil, on va pouvoir ouvrir la porte. Alors du coup, bah, je vous retrouve directement devant la porte, hein, parce que là on fait le chemin en sens... oh là, c'est dur ça à dire. On fait le chemin en sens inverse, donc logiquement on ne recroise aucun ennemi. Alors à tout de suite. Voilà, donc on arrive devant la fameuse porte, donc on va utiliser l'œil de verre là, hein. Tac. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une mauvaise manip. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire dans ce jeu pour avancer? Le mec qui doit aller du point au point du début à la fin de cet endroit, hein, il doit se galérer à chaque fois, hein, pour avancer. Hein. Wait. Alors. On va viser sur le milieu. On va peut-être faire un strike comme ça. Eh oui, c'est bon. Oui, c'est bon, pas bon. Ouais, ouais. Follow me. Alors, hop, on va avancer tranquillou jusqu'à ce qu'on déclenche la cinématique du camion. Voilà. Ah, j'ai loupé. Et sans déconner, plus son gros, plus. plus son gros, plus j'ai loupé, sans déconner. Wait, follow me. Allez, on prend ça, on grimpe. Ah, est-ce qu'ils sont dans le camion, les mecs? On monte jusqu'au dernier trésor, voilà.
Wait. Et là, on va se les faire. Oh là, oh là, oh là, oh là, ils sont à peu près. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû attendre aussi, aussi long. Allez. Voilà. Heureusement que j'ai pris des temps. Il est mort, c'est bon, non? Voilà. Ils en ont tous à plein chelet, hein, ils sont chiants. Hein. C'est bon. Il reste qui? Ah, lui encore. Voilà. C'est bon? C'est bon. Ah, j'ai pas très bien géré. Hein. Heureusement que j'avais, là j'avais le striker parce que. En mode normal c'était foutu. Hein. Et en plus j'ai tiré dans le tas, j'aurais pu la tuer. Hein. Ça c'est. Il y avait de grandes chances. Hein. Bon, enfin bon, c'est passé. Allez. Follow me. Tu follow me. Y'a rien d'autre à récupérer ici. Là-bas, si, ouais, c'est ça. Ok, alors. On remonte. Il doit y avoir deux. Voilà. Deux barriques ici. Hop. Et maintenant, on va jusqu'au château. Donc, ça déclenche une QTE. En gros, les mecs sont à notre poursuite. Un QTE, non, pas de QTE. Mais en tout cas, on va arriver sur un super morceau. Moi, j'adore. Si... Autant on va essayer de... Là je vais m'éclater après en mode facile avec le lance-roquette infini, ça va être bien sympa. Ça va être une autre paire de manches en mode normal et ça vous le verrez et ben, dans le prochain épisode. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, salut, bye bye.